Sébastien. Je fais beaucoup de récupérations, mais le carton est ma matière de prédilection. L'inspiration que cet atelier m'a offerte, c'est que je travaille déjà, j'arrive à travailler avec du mobilier un peu plus petit que d'habitude. L'objet sur lequel je suis en train de travailler, c'est un tabouret qui est fait entièrement en carton et qui reprend un peu le design ou le modèle du tabouret traditionnel. L'idée était de travailler sur la convivialité autour du bol, d'imaginer une forme de tabouret qui permettrait aux gens de s'asseoir autour du bol et qui sera facilement rangeable. L'atelier m'a permis d'ajouter une matière différente au carton, permettant ainsi d'avoir des mobiliers un peu plus fins peut-être. Et c'est la résine que j'ajoute. C'est la première fois que je travaille en duo avec quelqu'un. Parce qu'avant, voilà, je faisais juste des grandes surfaces, soit des tables, genre. Mais quand je suis venu, j'ai appris que là, maintenant, je peux travailler en duo. Oui. J'ai appris, par exemple, une autre façon de faire, par exemple, d'autres techniques. Voilà, je l'ai appris avec eux. Donc, après, quoi, dans le futur, je pourrais développer. Pour continuer ci kanam sama liguey mu jural ma lenen dal luma xam sama xel eggu ci won lolou mom jural na mako wa amna solo parce que moy lima la amna ci ñom lo xam manké won na ma xeyna awuma ko won ma yok ko ci lima am mais ki liguey biñu liguey man ak mom neex na ma trop parce que gis na né day buma limay liguey daf koy gëna may valeur ndax nim koy liguey. Les designers déplacés d'Allemagne et de France, comme Quentin et Tobia et Neil, ils nous ont apporté un peu de plus. Parce que, tu sais, ils nous laissaient notre liberté de faire. J'ai fait une chaise avec le fer torsadé. Et ensuite, moi, comme la chaise là, je vais essayer de mettre une peau de mouton en cuir au-dessus pour que, si ça te plaît, tu le montes, si ça ne te plaît pas, tu le démontes. C'est juste pour rendre la chaise assez confortable, quoi. Parce que ça aussi, je n'ai jamais travaillé. La calabasse, c'était une matière, c'est un fruit d'abord. En fait, comme ici au Sénégal, on avait l'habitude d'utiliser la calabasse pour plusieurs choses. En fait, on prenait la calabasse pour manger, on prenait la calabasse pour faire nos bains rituels. Quand Ousmane Bey m'a dit, il faut me casser la calabasse, je dis, mais ben, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Casser la calabasse. Et si je casse la calabasse, est-ce que je pourrais ressembler à la calabasse? Quand je prends la calabasse, il faut que je la trempe dans l'eau, dans une bassine, laisser ça une journée, puis enlever ça, prendre une lame, bien nettoyer la calabasse et exposer ça sous le soleil pour que ça, en fait, pour le temps que la calabasse cesse. Et après, je vais manipuler la matière. Je travaille sur la calabasse depuis longtemps. Mais juste avec des trous, de faire des perforations et tout. Mais avec l'atelier design, ça m'a permis de graver la calabasse, de faire de l'abstraction, d'enlever plein de matière, parce que je ne savais pas que ça avait gravé. Maintenant, je fais la gravure avec la simplicité aussi de la matière, des produits exposés. Juste une calabasse pourra faire l'affaire. Le but, c'est de simplifier, d'être juste au milieu, quoi, équilibrer le truc. Quoi, c'est ça. Avec les designers qui sont là, bon, je travaille sur la bijouterie d'art en mélangeant le bois et le bronze. J'ai décidé de travailler sur une fourchette, une cuillère et un couteau. Je suis parti d'abord du bronze qui était à l'état solide. Je le fais à l'état liquide. Je le fonds dans une lingotière. Puis je vais à la machine au laminoir. Je lamine jusqu'à avoir une plaque. À partir de cette plaque, je fais mes décors pour pouvoir mettre ça sur les objets
travaille. Ça fait 2 ans que je travaille sur un projet d'ouverture d'une école de design. Et là, je découvre vraiment ma passion de transmettre. Et échanger avec ces gens a été quelque chose de merveilleux. Ça m'a fait révéler quelque chose d'autre que je ne savais pas de moi. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. My impression of the artisans is really positive. They are so open-minded and are really ready to learn something, to go further and have some progress. And yes, it's a joint venture actually. They are working together and showing so much energy. I like it really a lot. Pour moi, cette expérience, elle a apporté à mon travail, en fait, ça m'a forcé à me poser plus de questions sur ma façon de communiquer, sur les questions que je me pose dans mon travail. Et bien évidemment, j'ai découvert aussi des techniques, un savoir-faire qui est très intéressant, qui peut-être pourrait m'influencer dans le futur, dans une future collaboration. Usually, as a designer, you try to solve each problem and to control a project entirely. And here we see that if you leave people doing their work with passion, that there can also emerge really, really beautiful things. And I guess we would like to keep this for our work and continue it.